Oh mon dieu. Ah oui, ah, j'en suis tout retourné. Aujourd'hui, nous entamons la dernière étape avant le dernier repos de ce Tour de France 2015. Nous partirons de Bourg-de-Péage. La première visite du Tour de France à Bourg-de-Péage remonte à 2010 pour une étape qui prenait la direction de Mende. L'ancienne capitale du château de Feutre avait toutefois déjà accueilli l'élite du cyclisme à l'occasion du Critérium du Dauphiné 2006 pour un contre-la-montre remporté par David Zabriskie. Auparavant, en 1994, dans la ville jumelle de Romanche, le vainqueur avait pour nom Chris Boardman. Quelques semaines plus tard, le Britannique établissait un record de vitesse toujours en vigueur de 55,152 km/h sur le prologue du Tour de France à Lille. Bourg-de-Péage, évidemment, ville très très connue pour son fameux péage à bourrage dont on taira les détails. Le tour arrivera aujourd'hui à Gap. Au pied des montagnes, la ville constitue pour les voyageurs, comme pour le Tour de France, une porte d'entrée idéale sur le massif alpin. Les attaquants au long cours y ont souvent trouvé le succès, comme Jean-François Bernard pour sa première victoire en 1986 ou Pierrick Frédérigo 20 ans plus tard. Mais lors des dernières visites, les arrivées à Gap ont couronné en 2011 un champion du monde, le Norvégien Tore Hushovd, et deux ans plus tard, un futur détenteur du maillot arc-en-ciel, le Portugais Rui Costa. Eh oui! Incroyable, incroyable. C'est vraiment fou ce qui se passe. Merde! Merde! Bonjour! Bonjour, bienvenue sur Bien évidemment ce stream sponsorisé à l'OPSP, la caméra est trop bas. Alors attention, hein, là tout a été préparé dans la panique, pas de casquette aujourd'hui, on assume. J'ai oublié le ventilo, donc je vais mourir, mais il fait plus froid aujourd'hui sur Paris, donc ce n'est pas trop grave. J'y crois à mort, la fenêtre est ouverte, c'est déjà ça. Donc les ventilos sont oubliés, tout commence bien. Dernière étape avant, eh bien oui. Ah, le pack Vittel, mais oui, le pack Vittel, j'ai oublié de contacter les gens, on voulait me filer le pack Vittel qu'on donne aux coureurs. Donc voilà, c'est de la merde, mais tant pis, pas de ventilo, pas de pack Vittel. Mais en tout cas, on y est. Alors, je tiens à signaler que je suis pieds nus également, aujourd'hui je joue avec handicap. Pour fêter voilà, l'émission handicap de Jim Deathwalk qui se lance à 19h sur la Powerplay aujourd'hui, je stream pieds nus sur les pédales dissidentes. Ah non mais aujourd'hui ça va être dur. C'est la dernière étape. La dernière étape avant le repos, puis la montagne. La dernière montagne, mais la montagne qui vous gagne. Attention, ça déconne zéro. Souvenons-nous de cette dernière étape où on s'est fait complètement arnaquer un Mende-Valence, chute du peloton. Ce qui fait que malgré le fait que Jackie Lafritte était tout devant aux avant-postes, et ben ça n'a servi à rien, car voilà, à part Verdier finalement, évidemment qui a été ridicule. Voilà, à 10 minutes 06, tout le monde est terminé. Tout le monde a terminé dans la même seconde. C'est scandaleux. Du coup, même au niveau du classement des meilleurs jeunes, bon, bah ça ne change rien. Remettons le classement général. Classement général 5e, Jackie Lafritte à 6 minutes 06. Attention, Valverde a perdu du temps. Et au classement des jeunes, voilà, hein, rien n'a bougé. Bardet à 1 minute 50, Quintana à 5,07. Jackie Lafritte, on y croit à mort. La combativité, bien sûr. Johan Verdier, 714 km d'échappée. Hallucinant. Donc le profil de Vallon, hein, l'étape donc pour les baroudeurs amateurs de raid au long cours. Mais voilà, les sprinteurs qui arriveront à survivre, à garder contact, pourraient avoir leur mot à dire. Ah ouais. Et donc on nous met Kotaski hein, dans les favoris de l'étape. C'était lui qui avait le maillot blanc avant. Pas de ventilo, pas de chaussures, pas de slip, c'est ça. Ah, pas de casquette, mais c'est assumé. Donc voilà, François Sagan, Monsieur Kosowski. Alors, Monsieur Kosowski, c'est un des meilleurs amis de Sarkozy. Il est maire de Courbevoie depuis 1702. Alors, pour le coup, je le sais parce que j'ai été courbevoisien très longtemps. Et donc, François Sagan également, favori de l'étape. Le café d'avant-étape, très important.
la fameuse attaque au kilomètre zéro. Oui, il faut rester dans le peloton, bien sûr. Là, je pense qu'on va pas faire le fou. On va faire le fou peut-être à la fin de l'étape. Mais le repos arrive, donc certes, on pourrait attaquer. Lord DVD, prendre l'échappée du jour. Et Nio de YouTube. Oh là là. Marqué au moins 10. Ah bah, non mais vous êtes sérieux? Alors, il faut que Verdier gagne 19 points au classement des sprinteurs. Donc, il y a deux sprints. En sachant qu'il arrivera en lambeau 200e. Et on nous demande de prendre l'échappée du jour avec DVD et Nio de YouTube. Ça déconne zéro. Hein. Donc on sait que la fraîcheur, on va la récupérer. On est en mode repos total. Donc dans un premier temps, je dirais ma foi, la fraîcheur une dernière fois quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de mind games. Ou non, la glucidique qui donne un peu de tout, vraiment de la merde. Suivi de du café, du citron, l'énergie. Partez à 3. Ah ouais, non, mais si je pars avec Verdier. Alors, comment je fais pour partir avec les 3? C'est ça, il faut que je demande faut que je leur dise de suivre les attaques. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, les baroudeurs devraient avoir l'occasion de s'illustrer. L'histoire récente plaide d'ailleurs en leur faveur, puisque les trois dernières arrivées... Oh, il y en a un qui va attaquer à droite. ...couronné un coureur ayant préparé l'échappée matinale. Non. Ok, je remonte avec DVD. Y'a Nio de YouTube qui se met aux avant-postes. Okay, mais d'abord, il faut que je remonte. Verdier était mal placé, en train de mourir. C'est selon le classement de l'étape, hein, j'imagine. On me laisse pas passer, c'est très gênant. Est-ce que Verdier est là? Verdier, il a quelle place là? Verdier, Johan Verdier. 31ème, 30ème, 20ème, il arrive. L'occasion se présente, faudra pas hésiter à attaquer le leader. Je crois que Verdier a monté. Yo de YouTube, 4ème, Verdier, 10ème, on y est. Allez, Lord DVD! Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a. Qui attaque dans une vieille côte pourrie? Et qui n'a l'air de lâcher personne. On signale une tentative de contre-attaque en tête du peloton. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Don't worry, be happy. Et quoi? Personne n'a suivi leur DVD. Je vous ai dit de suivre les attaques. Est-ce que Nio de YouTube a suivi Demir qui? Qu'est-ce qui me branle? Personne a suivi! Nio de YouTube, qu'est-ce que tu fous? Donc fallait me dire protégez-moi pour qu'ils me suivent. Quelle arnaque! Allez, Nio de YouTube a essayé de rejoindre son. Oh on putain, il y a le contre. Les sprinteurs devraient être un peu moins frais. Et voilà. Plus de chance qu'une grosse parfait. Échappée de Marlou, bon, il y a juste Verdier, mais on s'en fout. Verdier, c'est cause perdue. On l'a assez vu pendant ce tour. Agneau de YouTube, quand il sprint, ça déconne zéro. Hein. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Ok. Ah, mais il y a un deuxième groupe encore entre nous. Entre nous. Go Risette, Risette. T'es tout seul, mais non, mais. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Oui, Alberto. Oh oui, Alberto. Vous inquiétez pas, regardez bien Nio. Regardez bien Nio. Faut que je reset vite. Même s'il passe plutôt bien la montagne, on le décrit plutôt. Regardez, Lord DVD est rentré dans le groupe. Je vais lui dire d'attendre. Voilà, relayez tranquillement, très bien. Bonne décision pour une fois. C'est pas grave qu'il n'y ait pas Verdier. On l'a assez eu. Ça y est. On a notre groupe dissident. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Ah oui, le fait qu'on soit deux, ça va foutre la merde, mais non.
grâce à mon expérience, regardez bien, mon fameux relais de l'arnaque. Je ne vais pas trop vite, je m'économise, mais j'empêche les autres de passer. Ça, c'est super important. Et j'arnaque le jeu, j'en suis sûr. Le danger public. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, New YouTube, qui prend les relais, 13% de relais. C'était DVD en tête. Voilà, à l'économie au niveau de l'énergie. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les boss. Oh, ils roulent pas, ils font semblant de rouler. À deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Font semblant de rouler, les salauds. C'est incroyable. Une échappée sans Verdier n'est pas une échappée, c'est vrai. Mais là, 3 minutes, je vais pas envoyer Verdier aux fraises. Il faut partir. Oh là là, ça y est, je commence à voir les motifs de la pédale dans la plante des pieds. Oh, je vais mourir, mais quel con. J'ai pas eu le temps de... J'ai terminé un autre stream juste avant. J'ai à peine eu le temps de attention manger, à lui en montagne. Faire un café et enfiler le maillot. Il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Prends Verdier, attaque. Non mais n'importe quoi. Respectez-vous au bout d'un moment. Ah, oh, c'est terrible. Partez à deux entre la FDJ. Il passe bien les boss. Faire une échappée full FDJ et FDJ. Lord DVD. Eh, Lord DVD, il est bien encore. Si je lui dis de me protéger,